En les torturer, et de nombreux accusés ne sont jamais revus vivants. Grâce à son rôle, Bonnet est connu jusqu'à aujourd'hui sous le nom de Bloody Bonnet, une association évidente avec le nom de Bloody Mary, dit l'un des sympathisants protestants arrêtés et envoyés à Bonnet. Il avait établi des horoscopes pour Marie et la princesse Elisabeth, indiquant qu'Elisabeth était plus apte à gouverner. Cela semble être une chose plutôt stupide à faire dans ces circonstances, à moins que Dean ait essayé de se faire arrêter. Les traces de l'arrestation et de l'interrogatoire de Dean sont minces. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que Dee est allé voir Bonnet en étant accusé de trahison. Puis, la fois suivante où nous voyons Dee, il travaille avec Bonnet dans la salle d'interrogatoire, aidant à poursuivre les protestants. Dee a vécu dans la maison de Bonnet pendant un certain temps et a peut-être obtenu un doctorat en théologie pendant son séjour. C'est peut-être l'origine de son titre de DR. À l'époque, beaucoup de gens ont pensé que Dee était un lâche qui souhaitait simplement se ranger du côté du vainqueur lorsque sa propre vie était en jeu. Cela a nui à la réputation de Dee et a probablement contribué aux luttes sociales auxquelles il a été confronté pendant la majeure partie de sa vie adulte. Plus tard, il affirmera qu'il n'a jamais pris parti pour les catholiques, mais qu'il travaillait en fait sous couverture pour la princesse Elisabeth, qui était en prison à l'époque. Cette affirmation est difficile à rejeter si l'on considère que la jeune reine Elisabeth, une fois qu'elle a accédé au trône, a accepté Dee à bras ouverts et sans poser de questions dans son cercle intime en tant que l'un de ses principaux conseillers. Sir Edward Kelley, Talbot, Dee a commencé son travail de magicien avec un autre scribe du nom de Barnabus Shaw. Voir page suivante. Cependant, les choses n'ont pas fonctionné avec Shaw, et Dee a rapidement été présenté, par un M. Clerkson, à un homme nommé Edward Talbot. Dee ne tarde pas à mettre à l'épreuve les compétences d'Edward en matière de scrying, et ce test est réussi haut la main. Kelley établit facilement le contact avec le plus puissant des archanges, et Dee semble savoir qu'il a trouvé son partenaire de travail. Plus tard, Edward Talbot se révélera être Edward Kelley. Ce n'est pas clair, mais la révélation de sa véritable identité a peut-être provoqué une dispute avec la femme de Dee. On ne sait pas si Talbot ou Kelley est son vrai nom. Il est possible que Kelley voyageait sous couverture au moment où il a rencontré Dee 17 ou qu'il ait donné un faux nom de famille au cas où Dee se révélerait hostile. Dans tous les cas, nous ne savons rien ou presque de la vie de Kelley avant qu'il n'apparaisse dans les journaux de Dee. Il est certain, cependant, qu'il a vécu sa vie en tant qu'Edward Kelley à partir du moment où il a révélé son nom à Dee jusqu'à sa mort. Kelley était peut-être un gratte-papier de premier ordre, mais son véritable intérêt était l'alchimie. Il est possible qu'il ait désiré rencontrer et travailler avec Dee afin d'apprendre quelles connaissances alchimiques possédait Dee. Il passait également une partie de son temps libre loin de Dee à la poursuite de mystères alchimiques et de trésors enfouis. Lorsque les deux hommes se sont rendus à Prague pour rencontrer l'empereur Rudolf, Kelley a trouvé sa véritable vocation parmi les alchimistes de la cour qu'il a rencontrés là-bas. Au cours de leur séjour dans la capitale de l'Empire, Dee a cessé d'être le chef de file du duo et a commencé à s'effacer devant Kelley et ses exploits alchimiques. Lorsque Dee a finalement décidé de quitter Prague et de retourner en Angleterre, Kelley est resté l'un des principaux alchimistes de la cour de Rudolf. Un Guillaume de Rosenburg, voire plus loin dans ce chapitre, lui a donné plusieurs domaines, dont des mines d'argent, des châteaux et même une tour d'astronomie, et Rudolf l'a même nommé baron du royaume. Ce titre était l'équivalent du titre de chevalier en Angleterre, et c'est la raison pour laquelle il est appelé sire, même s'il n'a pas été techniquement fait chevalier par la reine. La légende veut que Kelley ait réussi à transformer les métaux de base en or, et les autorités anglaises ont passé de nombreuses années à tenter en vain de convaincre Kelley de rapporter son savoir en Angleterre. Kelley a refusé et a vécu le reste de sa vie comme un alchimiste accompli. En fin de compte, Kelley a été arrêté et emprisonné à deux reprises. Cela peut être dû à son propre tempérament instable, ou à des raisons politiques. Certains soupçonnent même qu'il a été enfermé pour ne pas avoir produit les quantités d'or qu'il avait promises. Les journaux de Dee indiquent que Kelley a été tué lors d'une tentative d'évasion de la prison en 1597. Cependant, de nouveaux documents tchèques sont actuellement mis au jour non traduits pour l'instant, qui pourraient prouver que Kelley a survécu et a eu une vie très influente à Prague. Barnabas Shaw. Avant que Dee ne rencontre Kelley, il a tenté son travail avec un autre médium nommé Barnabas Shaw. Shaw n'apparaît en tant que scribe que pour une seule séance dans les journaux magiques la toute première, après quoi il prétend que ses capacités médiumniques l'ont quitté. Il quitte l'histoire en compagnie d'un certain M. Clerkson et n'apparaît plus. Peu après, le même M. Clerkson présente Dee à M. Talbot Kelley, qui avertit le bon docteur que Shaw le calomnie en secret. Dee avait déjà fait part de ses propres doutes quant à l'honnêteté de Shaw. Il y a donc lieu de penser que Dee a pris les avertissements de Kelley pour argent comptant. Plus tard,
Keller rapportera que les anges étaient d'accord et avaient déclaré ça et les informations qu'il avait extraites corrompues. D'un côté, tout ceci pourrait facilement être Keller se vendant comme un scribe sur ça. D'un autre côté, si les accusations de Keller étaient vraies, cela pourrait expliquer pourquoi ça a soudainement abandonné le screen et a quitté la scène juste avant l'arrivée de Keller. On sait très peu de choses sur Barnabas ça. Les archives de Dee suggèrent qu'il était un clerc ou un prédicateur d'un certain type. Je soupçonne que son nom n'est pas réel, car Barnabas et ça sont les noms de deux pères de l'église primitive qui ont travaillé ensemble pendant un certain temps, voire acte 11-15 dans la Bible. Ils ont finalement commencé à travailler avec un troisième, le neveu de Barnabas, Jean-Marc, et se sont brouillés à cause de son implication. Barnabas et ça ont donc pris des chemins différents, et Jean-Marc est parti avec Barnabas. Toute cette histoire semble un peu similaire aux incidents entre Dee, ça et Keller. M. Clerkson. Nous ne savons rien du tout de M. Clerkson. Il apparaît pour la première fois dans le journal de Dee comme un ami ou un associé de Barnabas ça. Lorsque ça a cessé de patiner et a quitté la maison de Dee, il est parti en compagnie de M. Clerkson. Puis, à peine deux jours plus tard, M. Clerkson arrive une fois de plus pour présenter Dee à Edward Albokele. Il semblerait donc qu'M. Clerkson ait joué un rôle important dans la recherche de scribes à engager pour Dee. Cela n'aurait pas été inhabituel. À l'époque, les scribes vendaient leurs services comme le font aujourd'hui les astrologues et les médiums. Ce que nous ignorons, c'est l'intérêt qu'M. Clerkson portait au travail de Dee, ou la compensation qu'il recevait le cas échéant, pour présenter les sorciers à des employeurs potentiels. Arthur Dee, 1579-1651, pendant une très brève période, Edward Kelley a refusé de poursuivre le travail de Dee sur le screen. Dee a donc tenté d'employer son fils aîné, Arthur, à la place. Cette tentative fut un échec et Dee convainquit bientôt Kelley de reprendre le travail. À l'âge adulte, Arthur prétendait avoir vu son père et Kelley transmuter des métaux de base en or à Prague, et jouait même avec les lingots d'or et d'argent qui jonchaient la maison comme des jouets. Il suivra ensuite les traces de son père en tant que médecin et alchimiste, et servira des hommes puissants à ce titre. Jacques Ier roi d'Angleterre après Élisabeth, recommande sa nomination en tant que médecin auprès du tsar de Russie, et pendant les années qu'il y passe, il compile son propre texte alchimique célèbre, Fasciculus Chemicus. Plus tard, il reviendra en Angleterre et deviendra le médecin du roi Charles Ier. Thomas Kelley, Thomas, censé être le frère d'Edward Kelley, est une autre figure de l'ombre dans les journaux de Dee. Il apparaît assez soudainement dans l'histoire, apportant la nouvelle qu'Edward est sur le point d'être arrêté pour des crimes présumés commis ailleurs. Edward disparaît de la maison de Dee avant l'arrivée des autorités et revient plus tard en prétendant être allé pêcher. Thomas Kelley apparaîtra à plusieurs reprises dans les journaux de Dee, presque toujours dans le rôle d'un messager transportant des messages entre l'Angleterre et Prague. Il se marie également avec la famille von Pisniet, une famille noble de Bohême ayant des relations à la cour de Rodolphe. C'est intéressant car Kelley deviendra lui-même un noble de Bohême tout en travaillant pour Rudolf. Dee n'a jamais enregistré le nom de la famille dans laquelle Thomas Kelley s'était marié. Il n'a pas non plus consigné la date à laquelle Thomas et sa famille ont déménagé en Angleterre, et il n'en a jamais reparlé. Les spécialistes qui considèrent le journal de Dee comme un thriller d'espionnage complexe, et c'est certainement le cas, ont suggéré que Thomas Kelley pourrait être un faux nom. Albert Lasky, né en 1527. En 1583, ce prince polonais a fait une apparition royale élaborée à la cour de la reine Élisabeth. On ne sait pas exactement pourquoi Lasky a fait cette visite, mais on soupçonne fortement qu'il espérait revendiquer le trône de Pologne. Le noble flamboyant était populaire auprès du peuple polonais et tentait peut-être d'obtenir la bénédiction et le soutien de certains monarques étrangers tels qu'Élisabeth et Rudolf. Bien sûr, cela le mettait en porte-à-faux avec le roi de Pologne Stefan Bathory. Lasky s'intéressait également à l'alchimie et souhaitait rencontrer Dee autant qu'il souhaitait voir la reine elle-même. Ainsi, après sa visite à la cour royale, il a pris une autre procession royale élaborée jusqu'à la porte d'entrée de Dee et est rapidement devenu une partie de la saga énochienne. Il était autorisé à s'asseoir lors des séances de screening et pouvait même poser des questions aux anges. Dee espère avoir trouvé son bienfaiteur et fait bientôt ses valises, y compris Kelley et sa famille, et part pour la Pologne en compagnie de Lasky. Malheureusement, Lasky s'est rapidement retrouvé à court d'argent et s'est finalement séparé de Dee. Il se peut même qu'il se soit mis à dos le roi Bathory, car ses aspirations royales ne se sont jamais concrétisées. William Cecil, Lord Burghley, 1521-1598, William Cecil a été le principal conseiller de la reine Élisabeth pendant la majeure partie de son règne, d'abord en tant que secrétaire d'État,
puis en tant que Lord Treasurer. John Dee et lui se connaissaient personnellement, et c'est à Cecil que Dee faisait souvent appel pour obtenir une compensation pour les services qu'il avait rendus à l'Angleterre. Malheureusement, c'est également Cecil qui a rejeté de nombreuses demandes de Dee. Une fois que Kelley est devenu un alchimiste célèbre à Prague, Cecil a semblé oublier Dee pour se concentrer sur Kelley. Par le biais d'un agent intermédiaire nommé Edward Dee, voir page suivante, Cecil a fait de vaillants efforts pour convaincre, cajoler et menacer légèrement Kelley de revenir en Angleterre avec ses connaissances alchimiques. Kelley, bien sûr, refuse de rentrer. Francis Walsingham, 1532-1590. Walsingham était le secrétaire d'État d'Elisabeth après que William Cecil ait accédé au poste de Lord Treasurer. Pendant la majeure partie de la période qui nous intéresse, Walsingham était chargé d'établir les politiques gouvernementales, tant étrangères qu'intérieures. Il est encore plus célèbre en tant que maître espion de la reine, qui a construit à lui seul le célèbre réseau d'intelligence air-espion, à travers l'Angleterre et l'Europe. Dee et Walsingham se connaissaient, et leur rôle dans l'histoire de l'Angleterre les ont rapprochés à plusieurs reprises. Lorsque Walsingham a pris les rênes de l'espionnage, il a jugé nécessaire de consulter le seul homme en Angleterre qui comprenait les codes de chiffrement et qui, selon la légende, avait depuis longtemps servi d'espion à la reine, John Dee. C'est ainsi que Walsingham allait créer le réseau d'espionnage le plus célèbre du monde, rendu célèbre par sa dépendance à l'égard du cryptage et des messages secrets. Bien sûr, les espions ne font confiance à personne, et Walsingham développera plus tard des soupçons à l'encontre de Dee, de Kelley et de leurs travaux occultes. En réponse, Dee a commencé à cacher ses journaux dans un compartiment secret à l'intérieur de sa cheminée. Lorsque Dee et Kelley sont partis avec le prince Lasky pour la Pologne, ils l'ont fait en pleine nuit pour échapper aux yeux des agents de Walsingham. Plus tard, Dee et Kelley ont fait un grand spectacle en brûlant les journaux dans leur intégralité, très probablement pour que les espions de Walsingham rapportent que les documents ont été détruits. Plus tard, les journaux réapparaîtront, ce que Dee qualifiera de miracle. Comte Guillaume de Rosenberg, Wilhelm Rosenberg, M. 1592. La famille Rosenberg était le clan le plus influent de Bohême et était souvent appelé les vrais seigneurs du royaume. William, en particulier, a fait de sa ville natale un centre de la politique et de la culture bohémienne. Il était également un ami de Dee et Kelley, agissant comme leur patron et leur bienfaiteur après avoir quitté la cour de Rudolf. Les deux mystiques dormaient dans une maison appartenant à Rosenberg à Trebon et travaillaient même dans un laboratoire alchimique qui leur avait fourni. Des sources tchèques, que l'on ne découvre que maintenant, ont indiqué que le titre de chevalier de Sir Kelley pourrait être une compensation pour avoir trouvé de l'argent dans l'une des mines de Rosenberg. Sir Edward Dee, 1543-1607, Dee est peut-être l'exemple ultime d'un poète intelligent élisabétain. L'Angleterre utilisait beaucoup les poètes et les écrivains comme agents, car ils étaient enclins à voyager et pouvaient influencer l'opinion publique. Dee était qualifié d'ornement de la cour de la reine, ouvertement pour sa poésie et secrètement pour les missions qu'il menait au nom d'Elisabeth. Pour ses efforts, il a été fait chevalier et a reçu des terres. Dee était également un ami personnel de John Dee, devenant même le parrain du fils de Dee, Arthur. En tant qu'agent secret, il travaillait directement pour William Cecil qui, à son tour, dirigeait les frères Garland, voir l'entrée suivante. Alors que Dee et Kelley voyageaient à travers l'Europe, Dee et les Garland suivaient de près les deux mystiques et leurs faits et gestes. Apparemment sous la direction de Cecil, Dee est devenu l'étudiant en alchimie de Kelley pendant plusieurs mois à Prague, jusqu'à ce que les deux aient une violente dispute et se retrouvent en prison ensemble. L'Angleterre n'a jamais mis la main sur les connaissances alchimiques de Kelley. Les frères Garland, dans son journal, Dee mentionne quatre hommes du nom de Garland, Francis, Edward, Robert, et Henry. Cependant, le journal de Dee est le seul endroit où l'on peut trouver ces hommes. Ils n'apparaissent dans aucun document anglais ou européen, ni dans les journaux personnels d'autres personnes qui les ont rencontrés, comme Arthur Dee. Pourtant, deux des prétendus frères Garland étaient présents lors d'une démonstration publique où Kelley transmutait le mercure en or. Au moins l'un d'entre eux, Francis, apparaît à plusieurs reprises, portant des messages en provenance et à destination de l'Angleterre. Il semble être plus actif durant la période où William Cecil a tenté d'attirer Kelley en Angleterre pour ses connaissances alchimiques. Francis Garland semble spécifiquement travailler pour Edward Dee. Tout ceci suggère assez fortement que les frères Garland des journaux de Dee sont des agents secrets anglais. Ils n'étaient probablement pas des frères et Garland était un faux nom. Sir Walter Raleigh, 1552-1618, un ami et voisin de John Dee. Leurs enfants avaient l'habitude de jouer ensemble. Sir Raleigh est surtout connu pour sa participation à la fondation de la Virginie dans le Nouveau Monde. Il a fondé la ville de Roanoke, en Virginie,
qui est célèbre pour la disparition ultérieure de toute sa population. On suppose que les colons ont décidé qu'ils avaient été abandonnés par l'Angleterre et sont donc allés vivre avec les Amérindiens. Sir Raleigh